Salut à tous, c'est Artefi, alors rejoignons sur le réseau Star Wars Battlefront pour tester la bêta qui est sortie il y a 2 jours. Donc cette bêta pour l'instant elle ne nous permet pas de faire beaucoup de choses, mais déjà c'est génial, Star Wars Battlefront 3 quoi. Ça fait je crois 5, 6, 7 ans que le dernier est sorti. Donc pour le solo pour l'instant on a que le survival. Les battles ça sera après. Battle ça vous permettra de vous battre contre les autres et training bah, pour s'entraîner quoi. Mais que survival avec la seule map Tatooine, donc ça je testerai après. Et on a le multijoueur en drop zone et Walker Assault. Donc tout de suite nous on va tester un Walker Assault. Ok, ouais join. Donc le jeu est génial, les graphismes sont énormes et le son est aussi bon. En espérant que la vidéo que vous verrez ne bug pas. Alors là, tout de suite, faut attendre qu'il se charge un peu. Hein. Rien que ça. Oula, par contre, on peut voir que c'est une bêta parce que ça bug quand même un peu. Donc ok, on est rebelle. Blaster au primary weapon. Oula. Ok, thermal détonateur, single rifle, one shot. Ok, ça me va. Après, on testera un autre truc. Toujours des bugs. Ah bah, la dernière ffois, ça veut dire. Par contre, ce jeu a ce très gros problème qui est le spawn kill. Tu peux te faire spawn kill tout le temps. Et c'est chiant. Très chiant. Donc par exemple mes atouts moi c'est le détonateur thermique. Et ce qui est vraiment cool dans ce jeu c'est par exemple les grenades. Ok je la lance, boum. Et ça se régène. Ça c'est un snipe, c'est pas mal. Vous voyez que ça lui a fait bien mal. Donc je vais attendre que le snipe se régène. Donc vous pouvez voir, on va pouvoir prendre des chasseurs tilleux. Toutes sortes de conneries. Là c'est des vrais joueurs qui sont dedans. Pourquoi j'ai tiré là-dedans? Pourquoi je viens de lancer une grenade? Ok, donc vous voyez ça. On les trouve un peu partout sur le terrain et ça vous permet d'avoir des choses. Donc là, je viens d'obtenir une frappe orbitale. Rien que ça. Donc la frappe orbitale, vous prenez vos jumelles, vous gardez, et bim, frappe orbitale. Hop là, on va avancer un peu. Donc faut vraiment faire gaffe au... Regardez, lui il vise, mais il est un peu con. Rien que ça. Ah merde! Par contre, ce qui est bien, c'est que les atouts que vous ramassez quand vous mourrez et que vous respawn, vous ne les perdez pas. Ok, quand je dis qu'il y a un problème de spawn kill, c'est pas... C'est totalement vrai, pardon. Alors, on va tout de suite aller tester cette frappe orbitale dès que je vais trouver des petits cons. C'est ça, les petits cons. Ok, et là, vous voyez... Tchou, tchou, tchou. Bah alors... Ah, c'est bon, vous voyez tout le rouge. Ah bah j'ai plus de personne. Ah faudrait que je joue vraiment maintenant. Par contre moi perso je préfère le jump pack. Vous voyez là on est en train de se prendre une grosse frappe orbitale dans la gueule. C'est ce que je viens de leur faire, ils nous ont envoyé des trucs. Et cette musique. Oh putain! Oula, je n'arrive plus à jouer. Ce matin, j'ai incarné Dark Vador. C'est vraiment bien. J'avais un X-Wing, un A-Wing, mais je n'ai pas encore joué. Hein. Ok, donc là, vous voyez ce que je viens d'enclencher, c'est un tir un peu magnétique. Pourquoi j'ai tiré ? Vous voyez lui qui s'est mis à terre, eh bien il vient de se faire un appui. Je n'arrive plus à jouer. Soit je suis une pauvre merde, ce qui est sûrement le cas, soit c'est des PGM. C'est un peu des deux. Quoi? Complètement loupé. Et vous voyez, des fois, vous comprenez rien. D'un coup, bam! Ça, c'est les frappes orbitales. Mais il y a des bombes trop stylées qui sont à implosion. Ce jeu est vraiment bien. Ils l'ont annoncé en janvier.
Il sort le 16 novembre. Là, il y a un X-Wings. Je vais essayer d'aller le choper sans me faire défoncer. On l'a chopé avant moi. Ce mec est un bâtard. Pardon, j'arrête pas de balancer des insultes. Je ne sais plus ce que je dis. Je sais pas ce que je dis, surtout. Ah oui, ça c'est pas mal. Regardez. Merde, c'est pas déployé à temps. En gros, c'est un bouclier. Rien que ça. Ah putain, j'ai pas eu le temps de tirer, ça me saoule. Ouais, les ennemis peuvent prendre vos tourelles. Ça, faut faire gaffe. Bon, comme n'importe quel jeu, on va le dire. Mais voilà. Et vous voyez, le but, c'est de détruire les TRTT, mais avec un petit flingue, ça sert un peu à rien. Et... attendez, là, il y a une tourelle. Oh merde, j'aurais dû lui mettre encore. Hop là, vous voyez? Oh merde, c'est autant de vie que ça, c'est comme lui. Oh. Ça fait mal. Ce qui est bien, c'est que c'est une barre de vie, mais elle se régène au bout d'un moment. Et j'adore ce système. Ok, Y-Wing est quand même. Qu'est-ce que j'aimerais en avoir un juste maintenant? Ok, il y a un truc. Je veux un A-Wing. Je veux un A-Wing. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah, je crois que c'est ça. Attendez, juste pour vous la montrer, tellement c'est beau ce coup. Regardez. Bon, ça méritait la mort. C'est trop beau cette connerie. Oui, je suis un Kitko. Kitko! Est-ce qu'il y a moyen de viser ça? Non. X-Wings, X-Wings pour moi ou X-Wings pas pour moi? Est-ce que j'arrive à le choper ou est-ce que... attendez, je suis tout seul là? Ok, sauf que lui, même pas. Non! Pourquoi c'est le petit Jean-Pierre avec son sniper? Ok, il y a quand même un A-Wing pour nous. Ouais, c'est moins bien, mais ouais, c'est bien quand même. Vous voyez, il faut le temps que ça se recharge. Et là, voilà notre A-Wing. Donc l'A-Wing, il me semble qu'il y a un bouclier, ouais, et un missile. Donc tout de suite, on va aller direct au missile là-dedans. Hein. Ce truc est génial. Tu vois, voir, il y a... putain, pardon. Il me semble que lui, il peut nous faire des petits trucs. Ouais, ça c'est bien. Carrément fail. Ok, lui, on va essayer de le... c'est pas ça, mais je suis très haut. C'est bien le système qui n'est pas de munitions. Yes! Bon, ça m'a pas compté un kill, mais je l'ai quand même fait scratcher. Et ce qui est bien, c'est que les vaisseaux vont rester à l'infini de temps tant que vous ne mourrez pas. C'est bon, les AT-AT finissent par faire des trucs. Il faut savoir que la défense est poste plus dur. Alors. Mince! On n'est pas venu faire ça. Je ne vois pas de chasseur TIE. Ok, j'en mets quand même par contre. Est-ce qu'il est derrière moi? Je crois que j'ai vu. Par contre, c'est très chaud à piloter les vaisseaux. Je crois que pour les vaisseaux, il vaut mieux une manette et le reste, clavier.
Parce que c'est mieux. J'adore ce jeu. Attends, je me réveille, il revient. Ouais. Bim. J'adore. Ok, j'avais oublié que j'avais un radar. C'est très chaud. Il faudrait des maps plus grandes. Ouais, mais il y aura aussi le conflit aérien. I-wiring. Oh putain, le seul que j'ai pas encore piloté. Je sens que je vais rester longtemps au vaisseau. Oh merde, je l'avais pas vu. Merde, j'avais mal verrouillé. Ah ouais, oui. Ah, c'est fou le nombre de vaisseaux. Ouais, j'ai eu. Okay, on leur fait bien mal, mais je crois qu'on va perdre cette partie. Rien que ça. Ok, dès que je le verrouille, il meurt. Bon, il s'est écrasé, donc il est mort. Ah merde, c'est un intercepteur. Il est mort ? Non, mais il y en a un autre. Piloter, c'est hard. Savoir que piloter c'est hard. Je l'ai eu ? Non, presque. Les coups de souris sur le tapis. Toujours quelqu'un pour lui. Boum, s'il te plaît, s'il te plaît. Touche-le missile. Connard ! Pardon. Ah, c'est moins de temps quand même. Ah, j'adore piloter ces conneries. Pour une fois, j'ai battu mon record pour rester en vaisseau. Je ne veux vraiment jamais rester aussi vite. J'ai même pas utilisé mon coup. Je crois que j'ai essayé d'activer le truc en même temps. Mais on peut aussi voir des petits snow fighters se balader. Donc, je vois aucun ennemi aérien. Ok, j'en ai un.
ça passait trop peu. Ouais, on peut s'écraser pour tuer des ennemis dans celui-là en plus. Et il n'y a que 7 pour... Non, je déconne. Merde, ils sont tous les deux pilotes. Ok. Il a battu. Ok, et de 1 et de 2, on a gagné. Mais je me suis écrasé. Yes! Victory. Bon, j'ai passé beaucoup de temps en vaisseau. Je crois pas que ça se reproduira. Et ce vaisseau est génial. Ce jeu est génial. Tout est génial. Et dire que la dernière fois, j'étais 3ème du top. Non. Continuons. Ouais, voyons voir. Rank. Ouf, pas mal. Award, 0. Et win. Match bonus et win. 500. Et 336. Ok. Ah, ça rame. Hop là. Thank you for bringing me down, Skyrim and Elfend. Je vais le précommander juste après. Faut savoir que vous, là, vous la trouvez sur Origins, la bêta, ou sur Xbox et PS4, Xbox One. Et vous pouvez déjà précommander sur Origins pour avoir tous les packs à 60€, il me semble. Ok, juste après, je vais essayer de prendre le jump pack. Ok, il y a déjà un TIE à... Ok, cette fois on est en attaquant. Merde. Pardon. Il l'avait déjà fait. Faut savoir que le poste d'attaquant est plus facile. Normalement. Alors. Hans, je vais prendre jetpack cette fois. Non, ouais, je vais quand même le prendre. Ouais, le jetpack, ça fait ça. C'est hyper pratique, quelquefois. Oh! Un walker, déjà. On peut contrôler les attaques. Lui, il me semble qu'il a un minigun, ouais, et des missiles. Merde, je passe. The rebels have activated the uplink. Move on that position. Oh, alléluia, j'ai réussi à le buter. C'est très chiant les ennemis en hauteur quand on est dans ce genre de machine. Et la vie des machines ne regène jamais. Une fois que vous êtes endommagé. On peut déjà voir une souris qui s'est craché. Et non, je rigole, c'est pas le truc dangereux. Ok, j'en aurais buté deux. Ça rembourse mes morts. Blaster. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, y a que celui-là. Ouais, et quand vous êtes vos atouts ne se rechargent pas, donc vous êtes dans une machine. Voilà. J'ai réussi à rouler. Il y avait un mec là-haut. Ah ouais, peut-être bien. Ouais, je vais réessayer d'y aller juste après. Il y a moyen de passer par là. C'était beau. Et merde. Si bien c'est que le sniper se recharge quand même assez vite.
Voilà. J'aime quand ça fait ça. Ah, enfin! Voilà. Alors. Je n'avais vraiment pas vu ce mec, quoi. C'est le mec le moins discret du monde et moi je le vois pas. En tant que sniper. Punaise! Ah, ça est toujours bizarre de voir ça arriver sur la tronche. Ah, le jump pack, qu'est-ce que c'est bien. Hop là. On va pas sniper, hein, parce que c'est moins drôle. Bon, on va peut-être sniper, en fait. Non, je déconne. Alors, lui, il a un petit flingue. Vous voyez, là, c'est ce qui s'appelle un X-Wing, qui s'est craché sur un TRTT. Et il faut savoir que les bouts de machines qui se sont défoncés restent sur la map tout le temps. Il me semble. Je crois que ça ne dispone pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais c'est quoi qui nous tire? Oh, ok! C'est les petits! Les petits gens sur la montagne! Je n'ai jamais piloté de Y-Wing, je préfère les rebelles, même si c'est ce qu'est le dur. Pourquoi je me mets à chanter? Faudra m'expliquer. Ouais, non, ta gueule. Voilà. Je me suis auto-insulté. Oh putain. C'est ce qui est des plus désopilants. Je me marre, je l'ai touché. Oh! Ça, c'est toujours rigolo. Oh, wow. Zut alors, je n'en ai pas tué. Our walker is exposed. Keep the rebels away from it. C'est quoi ça? C'est qui le meilleur? Charlie, laissez-moi. S'il vous plaît, je me pipe. Charlie, je vous dis que Charlie. Ah merde, c'est même pas lui qui m'a tué en plus. Ah, j'aimerais bien l'avoir ton flingue. C'est une team minigun, je l'avais fait en survie tout à l'heure. Je sens que cette vidéo va durer. Ok, on va prendre ça vite fait. Oh 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 oh, c'est rigolo. Pardon. Je voulais pas dire ça, mamie. Vous voyez, lui vient de dégoûter des... Attends. Revoilà. Alors, voilà. Oh, bah tiens. Dès que je reviens, il se passe tout ça. Oh, un Sokowa de Shield. Il y en a déjà. Ok. Je comprends mieux. Ah oui, au fait, ça marche comme dans le 2 quand vous avez un Jedi ou un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est un certain temps et vous perdez du temps... vous faisant tirer dessus. Merde, c'est mon cœur. Même si t'es déjà mort. Tu peux avoir ton sabre laser. Allez, s'il te plaît, je veux ton sabre laser. S'il te... Je rêve pas, là. Oui. Oh.
Oui, il faut savoir que les TIE sont hyper maniables. Ça tourne en 2-2, ces machins. Bon, faut pas trop faire les coups. Il y en a un dans les airs. C'est trop stylé! Je l'ai pas eu? Ah, dommage. Bim! Moi, on peut pas me baiser! Je suis la puissance! Pas eu méchant, moi je voulais juste te tuer. Ah, ça me saoule quand je les touche pas. Gérer la vitesse, j'avais même pas vu. Mais c'est génial, je vais pouvoir niquer tout le monde. Ouais série de véhicules, série de véhicules, rien à faire. Je défonce tout. Je défonce tout. Bon, je crois qu'on va se laisser à la fin de cette partie-là. Peut-être avec un deuxième épisode. Pour l'instant, on est parti pour l'unité. Oh là. Il est concentré, le monsieur. Il est concentré. J'ai toujours voulu faire ça. Ok. Je fais ce que j'ai toujours voulu. Bon bah je vais aller détruire du rebelle à terre, hein, de toute façon. Oh, ça a fait mal, mais c'était drôle. Mais qu'est-ce que c'était drôle. Le Y-Wing. Qu'est-ce qu'il est chaud. Eh merde. Eh merde. Je me suis tué tout seul. Mais comment je fais. Mais comment je fais. Bon, ça va, on a bientôt fini. Oh. Oh. Coucou toi. Ça va. Allô. Oui, j'en voudrais un. Oui, bonjour, bah, j'en voudrais une petite RTP, s'il vous plaît. Merci. Ça fait toujours plaisir. Oui, oui, ça quelque part de quelque part. Ok, pour information, pour gagner la partie, il suffit qu'un de ces deux gros machins aille défoncer le bouclier de la base ennemie.
donc je suppose que vous avez déjà tous vu Star Wars. Piou, 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 ce truc là-bas. Et on en fout trop des tranchées. Oh, ça compte quand même. Ce jeu est vraiment bien fait. Ce jeu est génial. Bam! T'es mort! C'est rigolo, hein! Je crois que mes pattes ont un peu bougé. Eh bam! Mais t'es mort! Mais c'est rigolo! Je l'ai privé de sa belle petite tourelle. Ok, on va essayer d'embêter une. C'est fou ça. Ce jeu est génial. Ok, on a gagné. Regardez, vous voyez là? La même BD. Boum! Comme ça. Ok, j'ai cru que j'aurais pu le faire encore à corps. Vas-y, tue-le. Vas-y, Dark Vador. Oh bah, on a gagné. Regardez. Oh bah, ça fait boum. Boum. Comme ça. Ouah, tu-tu. Boum, boum. Oh, ça fait boum. Boum. Bon bah, je vous dis à la prochaine pour peut-être une prochaine vidéo sur Star Wars Battlefront. A plus.